J'ai été diplômée de l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est l'ANSI Les Ateliers à Paris. Mon sujet était de travailler sur un vêtement de travail. Et en fait, ce projet de diplôme, je l'ai montré après à Louis Vuitton. Ça les a vraiment beaucoup intéressés, alors que ce n'était pas du tout leur domaine. Mais ils m'ont embauchée à partir de là. En fait, c'est surtout chez eux que j'ai appris beaucoup de choses, en fait. Et la passion de la matière, forcément, elle est venue à partir de là, quoi. La porcelaine, ça m'a intéressée parce que, un, ça venait d'un autre domaine. Donc, du coup, c'était aussi un contraste intéressant. Et je voulais raconter autre chose sur le sac, pas seulement un accessoire de mode, mais aussi un objet un peu comme un petit bijou. La porcelaine, elle a porté ça, ce caractère un peu précieux, bien entendu. Et aussi, elle contrastait avec le cuir. Là, ce qu'on souhaitait faire, montrer, en fait, c'était travailler autour d'un travail de maroquinier. Mais aussi, comme c'était le principe de mon travail, de mes collections, d'avoir toujours ce contraste avec la porcelaine. Là, c'était un thème autour du thé, l'univers du thé. Le graphisme, en fait, court sur ces deux matériaux, le cuir et la porcelaine. Au final, on voulait avoir l'impression que voilà, le motif il avait été juste collé une fois que le sac ou l'accessoire était terminé, quoi.